souls may mend your ailing mind. You will lose everything once branded the symbol of the curse. An augur of darkness. Your past, your future, your very light. None will have meaning, and you won't even care. By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls, a hollow. Long ago, in a walled-off land far to the north, a great king built a great kingdom. I believe they called it Dranglake. Perhaps you're familiar. No, how could you be? But one day, you will stand before its decrepit gate without really knowing why. Drawn to a flame. Your wings will burn in anguish. Time after time. For that is your fate. The fate of the cursed. Bonjour à tous et à toutes, c'est Osage pour ce premier épisode du tout nouveau Let's Play sur Dark Souls 2. Alors, ce Let's Play, il va être, on va dire, assez classique. À la base, je voulais faire un Let's Play un peu nawak, où je vais tuer tous les petits promesses de stuff. Comme ça, on est bien dégueulasse quand même. Je voulais faire un Let's Play... la wack, mais en fait je suis non, ça va tout foirer. Bref. Ouais, quand même c'est assez sympa. Ouais, on va taper l'herbe. Hein. Ah, soufre.
Donc là, on va aller sûrement se diriger vers le rayon de soleil, hein. Enfin, la lumière qui va nous guider. Donc le jeu est assez beau, enfin je trouve. Donc là, je le fais tourner sur PlayStation 4. C'est l'édition Scholar of the First Scene. Donc, une petite maison, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, tout d'abord, je tiens à vous préciser que je commente en différé, hein. Ne vous étonnez pas si les réactions ne sont pas spontanées, si on peut dire. J'essaie de faire des efforts, hein. Donc, oh, une cascade, super. On va récupérer le petit item, pierre douce et soyeuse. Et on va rentrer dans la maison. Donc aussi, si on précise, j'ai déjà fait le jeu. C'est pas un guide. Je la connais pas tout. Ah, elle est vieille. What seems to be the ruckus? Oh my, your face. The face of the curse. It's an undead. An undead has come to play. They all end up here. All the ones like you. You spoke to that kind old dear, didn't you? You're finished. You'll go hollow. Yes, you'll become one of them. Hollows prey upon men, feast upon their souls. This is the fate of the cursed. What is your name? Elles sont bien flippantes, hein, ces madames. Donc je parle pas pour les cinématiques, hein, je trouve ça. Donc, on va s'appeler... Ouais, Osage. Ah, rentre là. Ça n'a pas saisi le clavier. Pas grave. Enfin... Voilà, Osage. At least you know your own name. Elles sont un peu... malades, on dirait. It's a human effigy. Take a closer look. Who do you think it's supposed to be? Think back, deep into your past. Yes, it's an effigy of you. Ça, c'est quand même quelque chose que j'aime beaucoup, c'est la façon dont ils présentent les mini créations de perso. C'est vraiment assez bien fait, donc on va prendre un homme. Très svelte. Enfin, ouais, non, pas gros, pas gros. On prend un gringalet. Musclé. Ouh, ça fait peur. l'aspect. Alors, les origines. Ouais, non, ça fait des choses assez bizarres quand même. On va prendre ça blanc. Très blanc. Non, 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 c'est pas bon ça. Qu'est-ce qu'on va prendre comme comme cheveux? Chauve, ouais, on va prendre chauve, c'est joli. La couleur des cheveux, je crois qu'il n'y a pas besoin. Sourcils. On va. Ah, des gros sourcils broussailleux. Quelle couleur? Noir? Non, trop classique. Allez, on part sur du. Rose, enfin violet. Les yeux rouges, on va être possédé. Ouh, il a l'air bien gentil le monsieur. J'aimerais pas le croiser en tout cas. On augmente le rouge comme ça, ça fait encore. Plus démoniaque, la barbe. Parce qu'il faut forcément une barbe. Pas une barbe rouge. Ouais, une barbe rose, c'est joli. Et un tatouage. Un tatouage. On va prendre ça. Ouais, il est joli le phénix. En quelle couleur? En noir? Ouais, on va mettre du noir, c'est... ça se verra un peu mieux. On augmente l'opacité, hein, c'est classique.
Non, aléatoire, non, on va pas prendre d'aléatoire, parce que ça fait un truc bizarre. Ouais, ça, les paramètres avancés, vraiment, je m'y aventure pas trop parce qu'il y a beaucoup trop de trucs. On peut faire vraiment un perso très particulier, mais pas la flemme. On va prendre un guerrier. Chevalier, ouais, non, plutôt guerrier. Comme ça, on va pouvoir manier des grosses épées. Parce qu'on aura une bonne dextérité et une bonne force. Donc, comme don, je vous conseille de prendre outil de soin, personnellement, ce qu'on va prendre. Parce que comme ça, on aura des gemmes de vie en rap. Et quelques buissons à manger. All people come here for the same reason. To break the curse. You're no different, I should think. Doesn't stand a chance. Well, you never know. Oh, elles sont bien, bien malades celles-là. Go through the door and trot along to the kingdom. But remember, hold on to your souls. They're all that keep you from going hollow. Oh, I'll fool you no longer. You'll lose your souls. All of them. Over and over again. D'accord. Merci. Moi, on est averti. Bon, alors, on va se retrouver dans la maison. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pas se jeter dans le feu, hein, ça me paraît pas être une excellente idée. Donc déjà, notre épée, elle est pas super, hein, on a une épée brisée. Enfin, apparemment. Bon, après, on a un bouclier, ça c'est assez bien. Ouais, on a une armure assez sympa, ça va, on commence bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'étage? Cette petite maisonnette. Ouvrons le coffre. Épée droite brisée, ouais c'est ça. C'est pas super puissant, 80 plus 20 ça fait 100 dégâts, c'est pas énorme. Enfin au début ça devrait suffire. Ah je me suis bourré de touche, désolé. En fait c'est que je suis habitué là, j'étais en train de faire Lara Croft. Une de Secret of Osiris, je crois que c'est ça. Et donc c'est carré pour faire une roulade. Or dans le jeu c'est un rond, c'est la touche rond. Donc disons que j'ai plus tellement l'habitude et faut que je me réhabitue. Bon après ça va, les gemmes de vie ça coûte pas très cher, ça coûte 300 les gemmes. Je vous dirai après où on pourrait les acheter. Donc on va allumer le feu. Premier feu de camp. Bonfire. Est-ce qu'on va dormir? Ouais. On va juste se reposer un coup comme ça on va. On va restaurer les trois utilisations de bouclier. Parce que quand vous dormez, ça va restaurer toutes vos utilisations d'armes. Et toute votre vie et toute votre endurance, enfin, ça restaure un peu tout. Ok, donc, sympa la petite zone, on va aller dans le brouillard. Ok, donc on a un ennemi. C'est les touches R. Là j'essaie de... Ah, foiré encore. J'essaie de parer, mais ça ne fonctionne pas. Ah, tonton. C'est pas grave, je vais le tuer. Donc ça c'est un peu une sorte de phase didacticielle, mais c'est assez sympa. On a des ennemis un peu fourris pour s'entraîner. Oh. Bon, on a quand même pas une très très grande portée, hein. Ça c'est pas super. Non, on va pas jouer à la lance. Ça j'aime pas trop la lance. Ça me fait tiquer. Faut rester caché derrière son bouclier et juste spammer les coups de lance. C'est pas très glorieux, on va dire. Ouh, il y avait un gros nonogre. Ah, désolé pour la petite coupure, hein. Ouais, c'est la capture, je capture avec c'est intégré dans la PlayStation, et donc ça capture que 15 minutes de vidéo, ensuite ça fait un autre film. C'est pas une énorme coupure, ça. Quelques secondes. Alors, oui, donc tous les panneaux, hein, je les regarde pas, je connais les commandes, je suis désolé.
Voilà, j'essaie un peu de faire le compte. Bon, faut que je me calme. Ah tiens, un ennemi. Ah, là je l'ai contré. Merde. Ah, je l'ai pas perdu dans les champs. J'aurais pu faire le compte. En fait, quand on compte, l'ennemi tombe à terre et quand il est à terre, on peut lui donner une attaque. Et c'est généralement une attaque qui fait assez mal. Et je suis assez bien. Comme ça, en plus, l'ennemi ne peut, pendant l'attaque, ne peut pas riposter. C'est une sorte de mini cinématique. Bon, après, ça prend pas mal d'endurance, hein, ces attaques. Ah, belle esquive. On le finit. On esquive, on esquive, aïe, on a pris. Ah oui, donc là, vu que j'avais plus d'endurance, en fait, le coup que j'ai pris m'a sonné. Hop. On passe dans le dos, on le tue. Ah ouais, tout à l'heure, vous avez vu le backstab, hein, c'est un coup arrière, coup du traître. Parce que l'ennemi ne peut rien faire, quand vous le backstab, il y a beaucoup de chances que ça le tue, quoi. Si votre arme est assez puissante, ça va lui faire assez de dégâts pour le tuer. Et normalement ça va le tuer. Donc là on vient de dropper un item pour les petits corbeaux. Ils nous ont donné une pierre de drac ardent. Ça va être un item intéressant ou non, hein. Alors on va continuer. Ouais non, l'exploration on va... Cette zone on va réserver pour un peu plus tard quand j'aurai certains items nécessaires. Comme ça je vous finirai la zone. Parce que là, ça sert à rien de continuer pour après y revenir et que ça fasse pas un épisode complet. Donc là, on va se diriger vers la suite. Ok, donc ça, je pense que ça va être la fin. Donc je pense que je vais terminer la vidéo ici. Et je vous dis à plus pour un prochain épisode.